Et salut à tous, c'est LoveMine, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Feed the Potatoes. Ça faisait longtemps, mais enfin je crois qu'à chaque fois que je lance un épisode, je dis que ça faisait longtemps parce que je suis toujours aussi régulier dans mes vidéos, tout ça, tout ça. Mais du coup, aujourd'hui on va faire un petit peu de Botania. J'ai hésité à faire du Botania ou du Flansmod. On fera Flansmod une prochaine fois, pour le moment on va s'attaquer à du Botania. Donc, alors ça va être un petit peu de la découverte parce que j'ai pas trop regardé volontairement. Hop. J'ai un petit peu regardé vite fait dans le lexical Botania, mais pas plus que ça. Donc, non, toi tu t'en vas. Hop, c'est pas ça que je veux. Donc premièrement, pour avoir ce bouquin, si vous n'avez pas la chance de le choper dans un coffre, dans un donjon ou quoi que ce soit, on peut le crafter avec un bouquin et un sapling. Voilà, donc ça pose pas de problème. Donc, alors, ça explique les fleurs, tout ça, tout ça. Pour moi, c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Parce que je vais vouloir fabriquer des objets, on verra, je pense pas qu'on fera ça à cet épisode-ci. Mais ça va nécessiter du mana. Donc, pour faire du mana... Alors, pour faire du mana, normalement, pour faire une mana pool, il me faut de la living rock. Pour faire de la living rock, il me faut... C'est ça, je crois. Alors, je crois qu'après je coupe Skype. Non, c'est pas ça. Si, c'était ça. C'était ça. Je coupe Skype vite fait. Hop. Voilà, donc très professionnel de faire ça pendant la vidéo et tout. Living Wood. Il me semble que c'est ça vu que il y a des pierres et des... Ouais, ça doit être ça. Donc il faut une pure daisy, et pour faire une pure daisy, il nous faut... J'ai vu ça. Donc 4 mystical petal white dans une truc comme ça, et ce truc là qui se craft. Ça doit être un peu plus haut. Oh, oups. Ça s'appelle comment? Ah c'est ça. Petal, apo, terracy... Alors, ça doit se crafter là-dedans je pense. Ce truc là. Pourquoi j'ai tout ça? Ah, très bien. Ok, il va falloir de la cobble. Il va falloir de la cobble. Alors, j'ai joué j'ai un petit peu joué, on va dire, pendant. Entre les deux épisodes. J'ai eu un peu le temps. Il y a eu du changement. Alors, juste, je vais prendre ce qu'il me faut. Prendre ça. Prendre ça, ça va suffire. Il y a eu du changement ici, je crois pas. J'ai fait le plafond, oui. Oh, ça reste très simple. Ici, il y a du changement. Alors, je montre rapidement. J'ai fait, j'ai automatisé tous les processeurs. Tout ce qui est processeur, tout ça, c'est automatisé. Et les Charged Certus Crystal sont automatisés aussi. Donc bon, là, c'est toujours pareil, le même accès, tout ça, tout ça. Je crois que c'est à peu près tout. Puis j'ai un petit peu farmé les minerais. Ça, on ira. Je ferai ça plus tard, parce que j'ai pas terminé. Mais ça reste encore à automatiser. Donc on va retourner sur notre Botania. C'est de la petite aparté. Hop. Mais Ah oui, non, il veut pas parce que j'ai pas ça sur moi. Je prends des jaunes, j'en ai plein des jaunes. Et là tu veux bien? Ah non, toujours pas. Ah, très bien. Très bien, très bien. Je peux pas. Ok, là il veut bien. Ok, donc on va mettre ça ici. On a dit qu'il faut de l'eau dedans. Et il faut 4 pétales blanches. J'ai que 4? Non, j'en ai 32 ici, ça va. Est-ce qu'il faut les jeter? Ouais, faut les jeter. Alors je sais pas combien de temps ça prend. Est-ce que le bouquin nous dit combien de temps ça prend? Ok, on se retrouve. J'ai juste été checker quand même vite fait parce que ça prenait un petit peu de temps et tout ça, tout ça. Je trouvais ça un petit peu bizarre et un petit peu pas normal. Tout simplement parce que j'aurais pu attendre très longtemps, je pense. Hop. Nope, nope, voilà. Parce qu'il me faut ce truc-là. Genre, j'en ai que 3. J'en ai que 3. Force de les foutre à la poubelle. J'en ai que 3. Et donc. Si je fais ça. Boum. Pure Daisy, voilà. Donc c'est pile ce qu'il me fallait, et tant qu'à faire j'aurais dû prendre de la stone et du bois.
Je vais en faire qu'une pour le moment, mais je pense qu'à terme j'en ferai plusieurs. Non. Nye. De la stone. On va prendre un stack. Et du bois. Hop. C'est parti. On pourra se faire de... Je vous montrerai peut-être pas cet épisode-ci, mais dans quelques épisodes. Parce qu'on va pas... on va pas enchaîner du Botania. Mais le prochain épisode sur Botania, je pense qu'on pourra commencer à crafter des trucs très très intéressants. Hop, ça que je vais faire. Hop, ici, je fais ça. Alors là par contre il va falloir que je fasse une ellipse parce que ça prend un petit peu à peu près 1 minute. Donc enfin c'est ce qui était marqué. Là, si je fais pure Daisy. Ouais donc ça prend un petit peu de temps, donc je fais une petite ellipse et on se retrouve une fois que c'est prêt. À tout de suite. Ok, donc je viens d'aller passer la nuit parce qu'il faisait nuit. Et le temps que je revienne, c'était déjà fait. Alors, sauf que. Peut-être que j'en aurais pas assez, j'ai pas fait gaffe combien il m'en fallait. Je vais vérifier ça. On en relance de toute façon, c'est pas un problème. Du coup, parce que à la base on voulait faire une mana pool, une piscine de mana quoi. Tout ça qui se craft, une, deux, trois. Oui, c'est bon, j'en ai assez. J'en ai assez. Bon, j'en ai remis quand même parce que ça servira toujours. Voilà, alors, notre piscine de mana qu'on va mettre ici. Hop. Mon bouquin botanien, il est là. Alors, et pour la remplir. Du coup, pour produire du mana, il y a plusieurs solutions. On va commencer par la solution de base. Alors, t'as dit que je retrouve. C'est avec cette fleur-ci. Ouais, c'est ça. Cette fleur-ci qui se sert du soleil pour produire du mana. Enfin, il faut qu'il soit exposé à la lumière du jour. Pour produire du mana. Et pour la fabriquer, il faut deux jaunes, un orange, un bleu. Et c'est ça qu'il va me falloir, j'en ai encore, ouais, j'en ai pas assez, je vais essayer de récupérer vite fait quelques seeds. Hein, j'aurais dû farmer ça tout à l'heure, évidemment. Ah bah, est-ce que ça me donne des seeds? Non, pas du tout. Pas du tout, il en faudrait quelques-unes en plus. Évidemment, alors on en a toujours quand on veut se débarrasser et quand on a besoin, on n'en a pas. Bon, tant pis, j'en farmerai plus tard. Non, ça j'en veux pas. Alors, du coup, on a dit, il faut du orange. On va en faire, ouais, enfin, ça sert à rien d'en faire plusieurs. Ok, donc on se retrouve, petite coupure imprévue. Du coup, je disais, il faut du orange, il faut du blue. Non, oui, du bleu. Je sais pas si ça va être ce bleu-là, par contre, donc on va prendre tous les bleus. Parce que le bleu me paraissait un peu clair. On a dit du jaune, du coup on va juste couper bête, au pire j'aurais pu faire ça. C'est du light blue, donc c'est du light, voilà c'est celle-ci. On va pouvoir en faire que deux. Ça a rien d'en prendre plus comme ça. Tac, on va virer ça. Alors. Ah, je suis en train de fly. Bucket, on va virer les burgers. Hop, on fait. Un comme ça. Un comme ça. Deux comme ça. Une graine, hop. Et on recommence. Hop, hop. Hop, voilà. Bon, on en a que deux. Mais on fera avec ça, je vais essayer de farmer rapidement. Hop. Donc, alors quand on les pose, petite chose, il faut surtout pas les placer l'une à côté de l'autre. Parce que sinon, vous voyez, ça fait un petit... enfin, ils s'envoient eux-mêmes le mana. Enfin, je sais pas si c'est vraiment du mana encore à cet état-là. Mais ils se l'envoient eux-mêmes et c'est pas du tout ce qu'il faut. Du coup, alors le but c'est d'en mettre un petit peu quand même, donc là j'en ai que deux, mais pour vous montrer au début, hop, on va en mettre que deux. Ensuite, il va falloir crafter, hop, ça. Il en faut trois. On va le faire jaune parce que j'en ai plein de jaunes. Comme ça, hop. Ça va, j'ai une bonne mémoire, je me souviens, je me souviens. Ok, ça. Du coup, on va placer ça un petit peu plus par là. Ça, on va le placer comme ça. Bah, vous voyez, il a déjà relié. Alors, c'est Shift-Click, me semble. Pas du tout.
Très bien. Si je fais shift. Ah voilà, c'est ça. Shift click. Voilà. Alors ça c'est function mode. Et ça c'est bind mode. Bind mode c'est pour alors shift clic droit dans le vide pour changer le mode. Bind mode c'est pour sélectionner une cible vers une destination. Donc genre je sélectionne ça, je veux qu'il pointe vers ça par exemple, voilà. Sauf que moi je veux qu'il pointe vers ça. Et on a aussi le function mode, donc ça doit servir pour autre chose. Alors du coup on peut voir aussi la barre verte qui s'affiche. Enfin on a la barre blanche et on a un petit peu de vert, c'est du mana qu'il y a dedans. Qui est en train de se transférer. Aspiring mana to item. Accepting mana from. Ok, alors je sais pas c'est lequel des deux par contre. Ce que je vais faire, c'est que je vais. Il me reste vraiment pas de seed dans le système. Je suis bête parce que je descends à chaque fois, mais je peux accéder ici. Nope. Je vais voir rapidement si j'en ai pas par là. Quelquefois j'en ai qui traînent. J'en avais pas mal pendant un temps et j'ai tout jeté. Parce que je pensais pas m'en servir. Je vois pas ce que ça foutrait là. Est-ce qu'il y a pas moyen d'en avoir facilement? Des seeds. Évidemment, j'ai pas de mana. Est-ce que j'ai du blé? Est-ce que j'ai du blé? Si je peux m'en dépanner d'une trentaine. Un demi-stack, ça pourrait être bien. On va checker ça vite fait. Mais je ne pense pas avoir de... Si! J'ai du blé! J'ai du blé, j'ai du blé, j'ai du blé. Non, j'en ai pas ici, mais je sais où j'en ai. Ouh, je fais n'importe quoi avec ma souris. McDo, ils ont du blé. Enfin, hein, du blé, dans les deux sens du terme en plus. McDo, oui, j'avais dit qu'il fallait que je leur fasse aussi. Alors, au passage, je vais juste reprendre ça. Hop. Ok, très bien. Reprendre un peu, j'en ai... Ça continue à tourner, ça c'est archi plein de chez plein. Et du blé, j'en ai plein ici. Hop. Voilà. Et hop, on s'en va. Hop. J'avais oublié cette petite ferme. Et du coup, normalement j'ai la machine qu'il faut. Là, il fait ça tout de suite. Et ouais, c'est bon. Oh, ça va être assez rapide. On va tout de même balancer ça. On va en attendre un petit peu quand même. C'est assez rapide. Ok, ça va faire l'affaire en attendant. Et j'en farmerai. Non! Non! Voilà. J'en préparerai pour les prochains épisodes où on fera du botania. Parce que là, on fait un petit peu de la découverte. Mais après, on essaiera de se faire un truc un petit peu pété parce qu'il y a moyen de faire des trucs vraiment cool avec botania. Et je me suis installé là parce que je compte faire une petite serre ici. Je sais pas encore trop comment. Mais je vais me débrouiller. Il y a moyen de faire des trucs cool. Alors ça, j'ai pas beaucoup de bleu par contre. Si j'en ai encore. Voilà, vous savez quoi, on va tout passer dans les fleurs. J'irai farm des fleurs aussi. Et du orange, on a dit, hop. Ok, et un bucket d'eau. Alors, on a dit un orange, deux jaunes, un bleu, une seed, hop. Hop, hop. Enfin, c'est assez rapide à faire vu que c'est instant. On peut les poser ces trucs-là, c'est assez inutile, je trouve. Enfin, du moins pour le moment, j'ai pas trouvé l'utilité. Mais je suis sûr qu'il y en a une. Hop. Encore. Non! Encore deux. Deux petites fleurs. Et on sera bien. Oh, on automatisera plus tout ça plus tard, évidemment. J'ai pas envie de toujours tout me taper à la main. Mais du coup, on en a 6. Du coup, si je fais comme ça. Si je fais. Hop. Comme ça. On les garde à proximité quand même. Voilà. Ça a commencé à se remplir, vous voyez. Est-ce que... Hop, il est où? Là. Ok, d'accord. Ça m'affiche le... Vous voyez, la barre blanche progresse un petit peu dans le bleu.
Et ensuite, il faut faire... Enfin, il faut faire... Alors, je vais vous montrer. Une deuxième. Hop, et on la jette dedans. Alors, dedans, c'est mieux. Hop. Et du coup, ça, c'est un diluted mana pool. Là, c'est un mana pool, voilà. Du coup, on va casser ça. On va mettre celle-ci à la place. Et du coup, voilà. On est bien là-dessus. Normalement, c'est bon. Il va transférer le mana, tout ça. Top, on récupère ça. Du coup, je pense que ça va être tout pour cet épisode parce que je sais pas du tout combien de temps il fait en fait. Parce que là j'ai déjà un quart d'heure de record, mais je sais que j'ai fait une ellipse. L'autre il fait déjà une demi-heure. Ouais, on va s'arrêter là. Peut-être qu'il sera un peu plus court, ou au contraire peut-être qu'il sera normal. En tout cas, on va s'arrêter là. C'était un petit peu la misère. On n'a rien fait en fait, quand j'y pense. Mais je préparerai quelque chose de très intéressant et de très complet, on va dire, pour la prochaine fois sur Botania. Je pense vu qu'on n'a rien fait, on refera du Botania. Et du coup, ça fait une petite vidéo pour reprendre tout doucement le feed de Potatoes. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce vert, ça fera très plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.